un week-end, un soleil massif là. Ce coup-là, les choses sérieuses vont commencer. Allez, je retourne le micro du côté de Daniel. Je vous donnerai les retours au prochain tour. Pour ce 4 Golf Lima Romeo, ici pour ce 4 Delta de Golf 73 à 120. Pour l'ensemble du QSO des aînés, Florida 4, Hôtel, Yankee et Tango.
Et les bonnes amitiés à tous, les 88 à Daniel, Florida 4 Golf Lima Radio, et les 88 à Samy. Les bonnes amitiés, ces messieurs, les bonnes amitiés, Hôtel Bravo 3 Yankees à Zulu Delta, les bonnes amitiés, Laurent, Florida 4 Delta Zulu Golf, et les bonnes amitiés, Joaquin, Florida 4, il y a Papa Yankee. J'espère que vous allez bien, très froid sur la Corrèze. Moins 4 ce matin au QRA, donc, on est dans l'hiver, là, c'est une certitude. Pas de neige sur la Corrèze, même si nous l'avions prédit pendant un petit moment, et puis là, on est plutôt tranquille. Donc, mais des journées, là, actuellement, il doit faire moins 2, moins 3, là, c'est assez froid sur la Corrèze. Aujourd'hui, voilà, pour ce qui est de report, je peux donner à tout le monde, puisque... J'ai eu l'occasion d'entendre tout le monde, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike Pike, 59 plus 1 DB. Je vous donne les reports au plus fort, hein, parce que c'est assez QSB pour moi. Vous avez tous commandé avec des gros reports, et au fur et à mesure du QSO, là, et que vous discutez, ça baisse, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, c'est assez, assez QSB de mon côté. Là. Alors, Hôtel Bravo 3, Yankee Zulu Delta, 59 plus 10 DB. Au départ du passage, après c'est un peu devenu un peu plus confidentiel, c'est parti dans le bruit, mais c'est, ça restait compréhensible. Laurent, le tuyau est en place, Florida 4 Delta Zulu Golf 59 plus 25 dB. Daniel, Florida 4 Golf Lima Radio 59 plus 10 dB. Et Joaquin, Florida 4 India Papa, India Papa Yankee, pardon Joaquin, 59 plus 10 dB également. C'est très costaud, voilà, je ne me fais pas plus long, c'est à Pascal, encore un homonyme, là, après, India de Lambert Papa. Voici Hôtel Bravo 3, Yankee Zulu Delta, pour l'ensemble du QSO de DD, Florida 4, Hôtel Yankee Tango. Retour Pascal. Oui, merci Pascal, avec les Yankee Zulu Delta, directement, voilà, oui, je suis tout QSO avec un WI senti très très beau aujourd'hui, moins 3 degrés ce matin, et à ce moment-là, 1 degré à 700 mètres. On est ensemble, Christophe, très bien semaine, qui est à 59, avec une petite salut, Pascal, Autonomie Tango, c'est du 9 plus 10, c'est le repère 7, Laurent, Pascal, Hôtel Bravo 3, Yankee Zulu Delta, pour l'ensemble du QSO, à Fox 4 Delta, Zulu Golf, la Savoie, Pascal, la Savoie, le 73, la ville d'Expelliman, le lac du Bourget. Je suis tout aujourd'hui là, ça, à 400 mètres du Grand Port. Voilà, donc, les reports, moi c'est pareil, les copains, je vais vous les donner en crête, hein, parce que, bien, pour moi aussi, le phénomène QSB là, est présent. Comme dit Christophe, on a eu mieux, mais on va quand même pas chipoter, ça fonctionne pas trop mal. Alors, on peut prendre le point de la plaque, 59 plus 20. Voilà, des pointes, Pascal. Donc, ce 4, Hôtel Yankee Tango, c'est 59 plus 25, ça fonctionne bien. Pascal, quand ça descend, c'est plus 10, alors tout est vraiment relatif, hein, c'est quand même confortable. Hôtel Bravo 3, Yankee Zulu Delta, Pascal. Écoute, ça marche bien, tu es plus 20 en pointe, tu es aussi 10, 15, 20, hein, suivant le QSB, donc ça joue. Faut que ce 4 Golf Lima Romeo Daniel, ça aussi entre 5, 8, 5, 9, mais tu es QSB à 100% de mon côté. Et Joachim, faut que ce 4 India Papa Yankee, des pointes à plus 20. Hein. Voilà, donc, bon, moi j'entends tout le monde, mais il y a un petit phénomène, hein, les signaux baissent, reviennent. C'est marqué, je pense, c'est un peu tous le même phénomène. Voilà, donc, comme je vous le disais, bah, Pascal, Fox 4 Hôtel Yankee Tango, je suis surpris là, des températures là, que nous annoncent. Hein, c'est bientôt plus froid que par chez moi.
Bon, nous, ce matin, c'était gelé. Je pense que sur le lever du jour, là, on avait peut-être moins 2, un truc comme ça. On est monté à 3-4 dans la journée ici avec Clément. Bon, j'étais du côté du Mont-Renard cet après-midi pour le pro. Eh bien, les amis, au soleil, on était mieux qu'en bas. Grand ciel bleu dégagé, pas dans, dans la crasse du fond de vallée, là, et on était bientôt à, je dirais pas tomber la veste, mais pas loin, en montagne. Très très agréable au sommet à 1500 mètres d'altitude cet après-midi. Par contre, là, en ce moment, je pense que là, il doit faire moins 7, moins 8 à 1500, je pense. Hein. Voilà. Donc, j'en profite là pour saluer nos amis écouteurs. Donc, je pense bien à Bernard et 104 pattes flambées. Je pense bien à Lionel et 104 pattes. Je crois que c'est Léon. Je salue Marco. Je salue Florian. Donc, Marco du côté de Dinan. Florian. Je salue bien mon ami René du côté de Romont dans le canton de Fribourg. Et toutes les autres stations indicatives ou non. Et une bonne pensée, bien entendu, pour Laurent. Donc, ce 4 Delta Yankee Yankee. Voilà les copains, moi aujourd'hui c'était journée de pro, comme je vous le dis, là je suis un peu sur les rotules, ça a bougeté pas mal, beaucoup d'allers-retours en ce qui me concerne au niveau du pro, de montée, descente, de virage. Alors là, c'est sûr, on n'est pas en Normandie par ici, Joachim là il connaît bien le coin, donc ça tombe pas mal, ça monte, ça descend pas mal, et bah, là il y avait des coins, hein. Ça n'a pas dégelé de la journée à certains endroits, donc il faut faire attention. Allez Daniel, je te retourne le micro. Fox 4 Golf Lima Romeo pour l'ensemble du QSO. Fox 4 Delta Zulu Golf. À toi mon petit frère. Oui,
Mike, Roger Gaston, Hotel Bravo 3, Yankee Mike Mike, pour l'ensemble du QSO des Unis, Florida 4, Hôtel Yankee et Tango. Voilà, mais écoutez, effectivement, c'est très QSB là, Joachim, sur le dernier passage, QT 59 plus 20 dB ici sur la Corrèze. Et puis au tout départ du passage, et puis c'est redevenu la normale à 59 plus 10 plus 5. Ça monte, ça descend, c'est bien dommage parce que par moment c'est très très bon. Voilà, pour tout le monde, même comme à Hôtel Bravo 3, il y a un Kiz ou Delta là. Au début du passage, sur le deuxième passage, là, c'était très très bon là, ici, 59 plus 10 plus 15, là, c'était très costaud, extrêmement de radio là. Donc on voit que c'est très QSB ce soir pour tout le monde, hein, même Laurent, ça oscille un petit peu là, et Daniel également là. Christophe reste relativement stable. Dans sa modulation, elle reste relativement la même là, avec un signal toujours très bon là. Donc c'est parfait, là, moi que vous redire de plus, bah rien, effectivement, une journée de pro aujourd'hui, pas de radio. J'avance tout doucement, là j'ai trouvé une chèvre pour pouvoir monter mon pylône, puisque le seuil est fait, là il me reste, mais bon il fait froid là, hein. Il fait froid, donc j'ai terminé pas mal de choses de QRA. J'ai fait commutateur d'antenne déportée, là il a fallu que je soude. Que je soude le câble là de 18 ou 20 mètres que j'ai là pour le commutateur d'antenne déportée là, qui sera du côté du pylône. C'est un commutateur d'antenne 4 antennes là, que je pourrais piloter directement depuis le chaque radio. Là. Bon évidemment je ne pourrais pas écouter sur deux antennes différentes, mais bon. Pas de soucis, ça ne me dérange pas, j'ai terminé ça, il faut que je fasse passer le câble, c'est tout, ça m'évitera de faire passer une quantité de câbles incroyable, puisque j'ai une distance assez importante là, entre le QRA et le futur pylône qui sera sur le pignon de la maison, donc j'ai fait passer le premier câble qui me permet de moduler ce soir, hein, et donc par la suite je ferai avec ce commutateur d'antenne là, qui est plutôt pas mal là. J'ai plus le nom et la marque en tête là, mais c'est plutôt sympa, et ça en plus mes soudures fonctionnent, donc là on progresse techniquement, mais là quand je me lance dans les soudures c'est quand même quelque chose de pas commun. Voilà, sur ces mots ça sera mon dernier tour, je fiston qui est là, donc je vais aller me voir en bas là, on va regarder ce match de football avec nos amis suisses là, voir si ils vont gagner, nos amis portugais il me semble que c'est le match de ce soir. On va aller voir ça, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour demain, pour ceux qui ont le pro, une bonne journée pour ceux qui font rien d'ailleurs et qui se reposent, ou dans tous les cas qui ont d'autres activités. Plein de contact radio pour ceux qui font de la radio. Je salue bien tous les SWL pardon, de Suisse, de Belgique ou d'ailleurs. Marco, Lionel, Bernard et tous les habitués là, qui nous font les petits messages sur le WhatsApp, qui nous donnent les reports à les différentes vidéos. Voilà, merci à vous dans tous les cas, c'est très sympa. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'envoie les 88 à Daniel, les 88 à Samy et 73 à ces messieurs. C'est à Pascal, Hôtel Bravo 3, Yankee Zulu Delta, pour l'ensemble du QSO des Amériques, on a 4 hôtels Yankee Tango qui passent en QRT. 73 à tous, bonne soirée, en retour Pascal. Et puis
très peu de radio ces derniers jours, aussi pas mal de trop d'activité. Amix, toujours 76 depuis la Suisse, le coton de Berne, et au plaisir d'un nouveau tué sur les années. Le micro va sur la Savoie, le lac du Bourget. Podcast Delta Blue Golf avec les trois lancers de l'Ouest au final. Oui, QSL Pascal, bien pris, hôtel Bravo 3 Yankee, Zulu Delta, pour l'ensemble du QSO, sur ce 4 Delta Zulu Golf. Hein. Et bien ça joue ton fil Pascal à 5 mètres du sol, sans latte, tu arrives fort bien ici, hein, la plus 10-15, constant, ça fonctionne bien, et bien qu'est-ce qu'il va avoir joué la Nati? Ouais, je sais, moi je suis pas du tout fou de bleu là. Mais j'ai entendu qu'il y avait la Nati qui jouait contre le Portugal ce soir, puisque j'écoute ça ici, pendant le cours dans l'auto, la radio que j'écoute, c'est RTS la première, donc j'ai entendu l'intérêt de match. Hein. Voilà, et puis Christophe, là je suis sur la webcam, c'est heureux, oui, la mer du Nord, par contre elle est sur l'action, hein. Mais c'est joli comme tout, c'est vrai que alors, ce soir, entendez quoi, je regarde. C'est toi qui es du côté de Neuch, et les Neuvets là, qui vous êtes dans la mer de nuages, et on voit très très bien la chaux de fond, pardon, et là ce soir c'est la chaux qui est dans la... Il y a vraiment une nappe, et c'est très très joli là, à l'entrée de la forêt, là où il y a les arbres, hein, où un petit peu les arbres là, viennent se mêler à la nappe de brouillard, là c'est juste magnifique. Hein. Voilà, il y a des belles captures d'écran à faire, là, bah, ce soir à Paris, là, sur la webcam du Mont-Royal Station. C'est assez sympa aussi, c'est bien dégagé, on voit très très bien les étoiles. Hein. Voilà, et ça va empiler un peu de neige là, dans les jours qui viennent, hein. Vu les prévisions météo, les températures, mais enfin, c'est le moment, comme tu disais, Christophe. On n'attend pas ça pour le mois de juillet, donc il faut que ça se fasse. Hein. On va rentrer en plein dedans, et puis... ma foi, ce sera que du bonheur là, pour nos amis skieurs. Voilà. Les copains. Allez, moi je retourne le micro du côté de Daniel. Je vous écoute encore un tour et puis je passerai vous saluer. Faut que ce 4 Golf Lima Romeo, je salue d'ailleurs les deux Pascal qui sont bons. Faut que ce 4 Golf Lima Romeo pour l'ensemble du QSO, faut que ce 4 Delta Zulu Golf. Et Daniel. Bonjour Daniel, c'est François et je suis THU. Bonjour François. Merci Daniel, merci Laurent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je salue bien François, François c'est 8, Delta Haute avec des cordes. Ben écoute François, bon voisin qui arrive de 50 mètres pour ce type de bête, il a l'opus, il n'y a pas mal, pas final. Je salue bien les stations à l'écoute, les amis SWM, Lionel, Florian, et puis tout ce que je vous dis là, j'ai pas mis la vitesse, on va tout ce soir. Et ça ne représente pas grand chose, mon site a également monté en auto, donc retour du pot, j'en profite pour faire des 75 pour 75, et retour du pot sur François 8, Delta Hotel Unicorn, de François 7, il ne reprendra pas. Ciao, ciao. Ok, salut à toi mon grand, pour 38, Delta Hotel Uniforme qui reprend, oui ben c'est pas évident hein Daniel, comme d'habitude, c'est drôle parce que toi tu me reçois 59, et chez moi c'est 57, 58, mais enfin c'est comestible, hein. Y a rien à dire qu'entre les autres je viens d'arriver, donc je sais pas qui est là, qui participe, qui a rien de particulier à vous dire, je relâche le micro, je fais partie de l'ensemble, je le lâche, vite bien chu. Oui, salut les amis, contrôle. Salut François, voilà, je suis toujours en fin de liste, hein, mon ami François. Un gros bisou de famille. Merci d'être venu quand même. François 8 Delta, hôtel uniforme. Allô, dans l'eau, je vais déjà faire.
saluer les deux Pascal, hein. Il y en a un qui est du côté de la Corrèze, c'était donc France 4 Hôtellerie en Quittambour. Et notre deuxième, bah, qui m'a fait l'honneur de venir, c'est Hôtel Bravo 3, Yankee, Zulu et Delta, dans l'Emmental, le canton de Berne, aussi à Pascal. Et ensuite, eh ben, on repart avec Laurent pour un dernier tour. Et puis après Laurent, donc France 4 Delta, Zulu Golf, il y a donc France 4 Golf, Lima Radio, Daniel, notre fille Ezekiel, et puis en numéro 5, il y a France 4, India, Papa Yoki, puis après c'est toi François. Voilà, les copains, bien, là j'ai le temps de parler, là, puisque le train a passé, hein. Voilà, ben, moi pas grand chose à rajouter, hein. Je pense que demain je vais être de la police de poids, parce que j'ai des cours à faire demain. Je descends du côté de Neuchâtel, donc on verra bien si on verra. Ouais, bon, mais de toute façon, il peut faire n'importe quel WX, là, je suis dans une salle, alors de toute manière, ça ne change rien au public. Hein. Voilà, encore merci donc à Pascal et à. Enfin, aux deux Pascal. Mais il y avait deux fromagers ce soir. Un, il vient de l'Emmental, et puis l'autre, il vient des tomes de Savoie. Alors, deux fromagers, il manque juste la laitière, et puis ma chèvre éventuellement. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà, super. Alors Laurent, bah, je te repasse le microphone. On t'embrasse, hein, parce que je pense que tu vas partir, t'es sur les rotules. T'as une grande journée. Et t'as des gros bisous de famille à toi, Laurent. France 4 Delta Zulu Golf. Pour le groupe, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike Mike. Oui, QSL Christophe, fort et clair, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike Mike pour l'ensemble du QSO. Fox 4 Delta Zulu Golf. Oui, tu vois juste, Christophe. Pour ne rien te cacher, là je suis un peu rincé, hein. Je vais aller mettre en polar horizontal, un peu de temps de victorine, et puis bonne nuit les petits. Hein. Voilà, j'en ai plein les bottes, là, des virages. Hein. Joachim, il connaît toutes les routes hein, par chez moi, il connaît les routes là que je fais pour mon tour. Et Dieu sait s'il y a des virages, des montées, des descentes, bah, les autos ici, entre les plaquettes de frein, les pneus, là, elles sont mises à rude épreuve. Hachi, je salue quand même bien notre ami François, Fox 8, Delta, Hôtel et Uniforme, qui passe 59-20 ici, au bord du lac du Bourget. Donc moi je vous adresse à tous, à toutes les bonnes amitiés, je renouvelle mes 88 à Daniel, également à Sally. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je serai bien par là. Je serai bien par là au QSO demain. Par contre les copains, je ne serai pas là samedi soir. Je ne serai pas présent au QSO puisque je suis dans une Java Entron dans un garage, dans un atelier où il y a l'estafette et la Turbo 2, mon ami Christophe, chez mon ami Nico. Et on va faire les dios à la Polenta. On est une vingtaine de copains là, donc Entron samedi soir. Donc voilà, donc je ne serai pas présent au QSO. Hein. Voilà les copains. Allez, je retourne le micro bien, du côté de Daniel, et puis je vous dis à demain. Bien, bonsoir à tous, amitié renouvelée à nos amis écouteurs. Pour ce 4 Golf Lima Romeo, ici pour ce 4 Delta de Louvain, c'est mission terminée. Bye bye. Je pars de là-bas. Voilà. Donc,
fait partie des achats de ça. Et là, j'ai dû rajouter à mes liens qui avaient déjà. C'est super fierro, mais je t'en remercie. Voilà. Et donc, dès que c'est parti, donc, je vais repasser du coup à divers personnes. Enfin, vraiment, à toi, tu vois. Merci de cette question-là. Oui, Daniel, toujours là. J'écoutais, donc je vais reprendre pour le dernier tour. Et je te souhaite une bonne soirée, et si tu auras effectivement des erreurs, je vais pas vous faire. Bonne écoute, je pense. Bon, avec le verglas, c'est sûr que c'est moins amusant. Pour François, ben, ça marche bien, en tout cas. Je vais te trouver une prochaine. Et voilà, donc ben, ça va être également mon dernier tour. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi, c'est un peu le cas, je suis levé depuis 4h du matin, donc j'ai rien de touché. Allez, je reprends du coup sur François, si tu retourneras sur Christophe, qui va être le chef de la liste. François, c'est juste d'être à 35 minutes de marche pour ton train de venir faire la liste. Bonne soirée à tous. Ok, tu as un 59. Oui, vous parlez de circulation et ainsi de suite, de route, et le département 04, c'est le département le plus accidentogène de la France. Voilà. Parce que non seulement il y a la montagne, mais il y a des routes où ça ne croise pas. Hein. Et bon, ben, quand ça ne croise pas, il faut s'arrêter, c'est pas tant que l'on passe. Voilà les copains, il y a une autoroute qui traverse le département, mais il y en a qu'un. Et dès que tu fais ça, c'est une autoroute et des nationales, c'est pas tôt. Hein. Voilà. Sans compter la neige. Parce que toutes les stations de ski dans le 05 et le 04 sont ouvertes, hein, il y a de la neige. Pas encore chez nous, mais à partir de 10-20 mètres, on a la montagne de Lure, et la route est fermée, on est dans la neige. Voilà les copains, autrement j'ai rien d'autre à vous dire. Ils sont tous en allant dans le football, c'est dommage, parce qu'ils démarrent bien, vous allez venir au sport, et j'espère qu'ils vont rattraper ça. Allez les dominicains, et puis ils vont partir de Portugais. Voilà les copains, je te repasse le micro, Christophe. Il est bien sûr. Ouais, merci François, bah ben oui, j'ai vu qu'on perdait 2-0, enfin c'est pas moi qui perds, c'est eux, hein. Donc, hein, mais bon, ouais, le football c'est pas ma tasse de thé, je suis plutôt ok, hein. Voilà, c'est comme quand tu manges trop vite ou tu bois trop vite, ma tasse de thé aussi, hein. Ok, alors, bah c'est le cas de le dire, hein, ok. Alors, Laurent, j'ai salué, j'ai pas salué Daniel. Donc, moi, Daniel, notre Daniel, pardon, c'est à Golfe-Lima Radio, gros bisous de notre part, n'oublie pas de faire la même chose à France, unité Delta Papa Kilo, ton OM, et puis Joachim, j'espère que ça va mieux au travail, et puis j'espère que tu viendras nous donner une réponse, là, pour les fêtes de fin d'année, éventuellement, là. Pour le 31, donc, on avait discuté, on verra si ça s'est calmé de ton côté, hein, puis pour Laurent, bah, c'est clair, là, il est en plein gros, gros boom. En ce moment, voilà, le report à toi François, François DHU, dans les Alpes-de-Provence, ben c'est plus 10, plus 15, plus 20, tout d'un coup c'est plus 0,5, hein, donc beaucoup, beaucoup de QFD. Voilà, autrement, ben, salut, on donne un gros bisou à Suzy HB9, Alphonse Carico qui nous écoute, hein, qui nous a envoyé un petit, une jolie petite photo, et puis on remercie Pascal pour le tableau que j'ai transmis sur le groupe, hein, les trois tableaux. Solaire ainsi que ben le chapitre premier du QSO. Hein, voilà. Donc, autrement, il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a Bernard qui nous salue. Je le mets encore. Merci pour tes vidéos. Et puis, ben, je te passe encore un petit coup le micro. Ça tombe bien, François. Là, tu causes pendant 3 minutes, là, 3-4 minutes. Et puis, parce qu'il y a le train qui va arriver au 09. Et puis, ensuite, ben, j'éclore le QSO. On verra déjà bien si. La natif, voilà. Mais là, ça me semble. Je veux pas être négatif, mais ouais, ça va être un peu difficile, hein, quand même. Hein. Voilà, mon ami François, mon ami préféré. Merci pour toutes les jolies photos que j'ai vues sur les trucs, là. Impeccable. François 8 Delta au thème uniforme pour le groupe HB3YMM. Ok, Christophe. Alors, t'as vu le matériel avec lequel j'ai vu mon régiment en 62 à 64. C'est des sacrés engins, ça. J'étais mécanicien d'engin là-dessus. Voilà. Autrement, ben, j'ai rien d'autre, je t'ai envoyé plein de trucs sur les voitures, sur les moteurs points, puisque tu vas distonner la mécanique. Et puis, j'ai trouvé des trucs aussi sur le Maroc,
Donc voilà, et autrement, j'ai rien d'autre à vous raconter, les copains. Hein. Faut que j'en cherche encore d'autres pour vous faire plaisir et vous envoyer de jolies choses. C'est vrai que je ressorte les CD que j'ai fait, des virées qu'on a fait au Maroc en 4x4. Mais bon, je crois que tout ça c'est terminé hein, pour moi, puisque mon frère a revendu son 4x4 et qu'il est en train de perdre la vue, alors bon, il n'est pas question qu'on y retourne. Ouais, les copains, en ce moment on y était à 4-5 voitures, c'était sympa et c'était comme les scouts, hein, les plus dans ça, mais à la tente et ainsi de suite. Hein, il y a vu les autochtones, hein, on a pris des sacrifices de rigolade, hein, je peux te le dire. Hein. Ouais, les copains, rien de plus, vite bien sûr à toi, Christophe. Ouais, aucun, François, 8 Birchu, 3 Jacquemin, qui je crois. Ok, pour tout, hein. Bon, ben voilà, hein, ma foi, il y a quand même des bons souvenirs, hein, François, que tu veux, c'est comme ça, hein. Ok. Mais moi, je vais faire le QSO, François, il faut que j'aille faire deux, trois petites combines, et puis on va quand même aller regarder, en tant que confédéré, ouais, pas con, mais fédéré, oui. Fédéré, ça m'a dit, il a donné sa révérence à Pénichman, mais, on va quand même regarder un petit peu comment ça se passe. Hein. On verra bien ce que ça va donner. T'as des gros bisous de famille, hein, mon Isaquel, donc. Hein. Voilà, on participait ce soir, donc notre ami, notre longueur du QSO des aînés, France 4 Othélion, qui est en haut, dans la Corrèze, le département 19. Il y avait donc mon ami Pascal, en éloigne, au nom de l'indicatif H3, Yogi et Jean Delta, Oriental, canton de Berne, Pascal aussi. Ensuite, nous trois, il y avait donc France 4, l'étage de Nouvelle, sans savoir le département, 73, numéro 434, Golfe Lima Radio, dans le département 89, du côté de la Yonne. Ensuite, il y avait notre ami Joachim, qui est pas loin du nord de la mer quand même, hein. Il est un petit peu plus loin que Lionel qui nous écoute, là, du côté de Pérignan, mais il est quand même de l'Vaucluse. Oui. Le département 84, France 4, il y a Papa Yonki, et notre ami François. France 8, quand je regarde bien sûr, tu me fais penser à l'AU. Hein. Bah, c'est toi qui m'as mis cette idée dans la tête. Hein. Donc France 8, Delta, et Hôtel Uniforme Alpes de Haute-Provence, le département 04. Merci de votre participation. Pour lui dire, oui, c'est bon, hein, voilà, j'ai habité longtemps en Mouron, presque 15 ans,
Donc ça, j'ai passé ma licence là-bas d'ailleurs, au club de Mantes-la-Jolie, 6 Corbé, voilà, c'était ça. Voilà, donc je ne suis pas inconnu dans le quartier. Je te disais, Christophe, que moi je danse avec les patins de hockey, et j'ai fait du patin de vitesse aussi. Et le ski, je me démerde partout en ski, j'ai fait du télémarque, et même hors piste, et puis j'ai même fait du ski en cornet. Mais ça, c'est des souvenirs, et ça, c'est de la montagne. Allez, salut les copains, à tous, vite de la suite, parce que ça va voir de ce petit cauchemar. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc,